Merci na balani nyoso ya tokomi wapi eza epengye fufana. Lobby ezaki mwana mboka Claude Kabundo Walesa. Oya lobaka ye aza ministre ya défense na gouvernement ya Jésus-Christ. Nini babenga kakeno balobaka kenzambe ya Walesa salaka. Lobby ngai na monaki nikamwa ndeto ya keno basi apembe basubaka mwasi ya salaka boye. Mais lobby est la théorie na pratique. Moi na mboka mazolo azaki na caméra. Ya komona mwana mwasi atanga kelasa, akoli na famille bien, mais libala ezoya mazobo ya kobala. Pona nini? Ye moko a lobby. Yango na kosenga bino moko bolanda. Miracle nini esalami? Pe sentiment to bokesenia awa bapakula bato mafuta te. Bateka kabaji ya rouge te, bapelisa kabuji te, meizaka ka parole. Peye akwaka na Jésus-Christ comme sauveur. Yango na kosenga bolanda. Nzambe ya Walesa, asalaka to asalaka te. Eza bien koyeba Manix, me na sima Manix okoyeba Fofana. Na sima ya Fofana okoyeba Amos. Na sima ya Amos okoyeba Djema Kesela. Na sima Djema Kesela okoyeba Trésor Zulu. Yango na senga bolanda. Il est le faiseur des miracles. Et lorsqu'on chante que nous avons Dieu, nous sommes en train de l'adorer. Alors qu'on adore notre Dieu, nous sommes ensemble.
la démo man folo kana kana démo abukana makolo abukana makolo asapo to apoko belé na son senga na lia ya pe ko se reparti foi no ko sale me lio a nesa di pa na po ya makapa ba na kolo ba akou sou sou ko ma lédiction sans le savoir a parti ya makapa ba sou ma pa na sale ça makapa jo na na ba. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont là, 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 qui sont là. Sommes les enfants des celui qui a dit j'agirai pour se reposer. Dans la vie, il y a le pire des gars, il n'y a pas ça là. Non, il y a pour qui côté les médailles à vous. Avant, on a ça, mais la parole à je suis quelqu'un qui ne prie pas d'ici. Et vous, incrédule devant ensemble, allez ça. Et puis, j'étais incrédule devant les dieux pour aller ça. En tout cas, on ne peut pas en parler. Il y a une certaine maman qui était venue nous raconter pour te dire, tu vois, il doit aller ça. C'est un grand féticheur et c'est un commissionnaire de féticheur. Lorsque vous voyez que les gens qui guérissent chez lui, il leur demande beaucoup d'argent. Ce qui va passer pour moi, non, à qui il n'a monté à Banganga, à qui on libère mon imoana, si ma zone est église, pour aller à Cotatola, qu'ils en parlent, ça va puissant. Après avoir donné beaucoup d'argent au pasteur Oanessa, il va se diriger dans le monde des esprits pour corrompre les esprits et il libère la personne. C'est comme ça que fils et comment la personne viendra à l'église pour témoigner les dieux de Oanessa. Moi aussi j'avais cru à cela pour dire en tout cas ça doit être vrai parce que ce qui se passe là-bas en tout cas il n'y a rien de divinité. Comment miracle pour qui l'andana et puis il y a ni nene. Non, azaf mondo qui nene pour azanganga ya solo. Et moi j'avais compris, j'avais accepté. Il serait vraiment un grand sorcier, un grand féticheur parce que c'est impossible qu'on voit des miracles qui se succèdent. Et puis des grands miracles qui se succèdent. C'est impossible. Maman a un amour de belé, a un véhiculé, mais elle est retombée la tellement à prince. Cette maman avait beaucoup d'argent et véhiculait, mais un jour il marchait, il était au bout de la route et une voiture est venue la tamponner et pour le moment elle ne marche plus, elle est sur la chaise roulante. Je n'acceptais jamais le Dieu de Wanessa. Il est arrivé. Pas humiliation et égoléka. N'azon bon yanzambe ya walesa. N'azon a pas si ou elle lisa amna pour tout moi. Pendant que j'étais en train de refuser les dieux de walesa, pourtant moi-même j'avais une souffrance qui me faisait pleurer jour et nuit. Sauva zala qui en genou, fallait précéder maman wana nanzela nangai. Mais en des satan outre précéder à qui? En tout cas, c'était le diable qui avait précédé cette maman-là. Si seulement Wallace était un ange, il allait précéder cette maman devant moi pour que je voie la lumière. Mais au contraire, c'était le diable qui l'avait précédé pour m'aveugler afin que je ne puisse pas voir la lumière. Moi je croyais que ça au moins 4 ans, 5 ans, 6 ans. Papa n'a mis que papa plus au loba. Moi non, il appelle pas Soubaka. Moi non, il appelle pas Soubaka. C'était pardon, Nazaki Pembe, ma casse n'a pas de soucis.
C'était depuis ma naissance, comme tous les autres enfants, pendant que j'ai grandissé, comme tous les autres enfants, il arrive au moment où il peut faire pipi, vous savez, moi je croyais que c'était normal. Mais à un certain moment, tous les autres enfants ont commencé à me pointer du doigt. Cette fille brune ici fait pipi, vos amis. Cette fille brune ici fait pipi, vos liens. C'était comme ça. Toi, le sixième, papa qui est obligé à tirer la vie sur la manière, la photo qui est là. Nous étions à Brazzaville et quand j'ai terminé mes études primaires, mon papa a décidé que je puisse intégrer l'internat. Et nous étions obligés de traverser vers Manyanga, vers l'internat. Et c'est là que la persécution a commencé dans ma vie. Et c'est là que j'ai commencé à vivre l'humiliation à l'internat. Moi, je pouvais dormir sur une natte et j'étais ma ligne pour faire un trou au niveau du centre de la natte de telle sorte que lorsque je vais m'endormir et que je fais pipi et que les urines ne puissent pas se manifester sur la natte. Mais finalement, c'était toujours aperçu parce que au fil du temps, la natte a commencé à sentir l'odeur du pipi. Il y a une famille de Bernard Kolela qui était maire de Brazzaville. En tout cas, il avait des succès plus que Lissouba qui était au pouvoir à ses familles. Cette famille, c'était juste des mois pour qu'on puisse me poser dans cette famille-là. Moi, j'avais dit que ce n'était pas impossible. Il n'y a pas moyen. Ce garçon là-bas, avec sa figure d'un garçon, il a commencé à me rechercher tout, comme tout garçon. Jusqu'au moment où je suis tombé et j'ai été enceinte de lui. J'étais obligé de fuir Brazzaville pour régner ce garçon-là qui m'avait enceinté, priver même mon garçon, mon fils, qu'il ne puisse même pas connaître son père. J'avais fui Brazzaville. Qui paierait moi pour le moment ça n'a pas sa ville.
Et finalement, la famille avait fini par récupérer sa fille. La fille est à Brazzaville à côté de son père finalement. Ça va, on va essayer de guérir la humiliation. Et ça, on continue à Kakabongo. La parfois, on vient à Bibembe, voir la matanga, Batoumazo, Léla, musique et son bêta. Mais on va l'indiquer à Kakawala, on a voulu soubi. J'ai continué avec l'humiliation comme ça, sous côté. Et même si tu as fait l'humiliation, tu as fait l'humiliation. Déshonoré, puis la rose à la humiliée, Madame Nabomba, Columbo Yanzoto Nangaï. C'est maintenant que tous ces gens-là peuvent découvrir que je leur ai refusé parce que je suis en train de cacher une certaine vérité. On s'en a quel âge, si vous 41 ans. 41 ans pour B. Puisque moi, la moi, je suis à 18 ans. Paralysique, la piscine à Bethesda. Moi j'ai pris 41 ans, je suis plus qu'une femme qui s'est trouvée. Quand on a pris l'humiliation et l'insignité, on a surtout raboyé, ni la famille et le Kangangaï. Pour tout le monde, on a compté dans la chambre, dans les lits, dans la vie qui t'a raté, dans la bande de Robéba, dans l'objet condamnation et dans les mini bossons Nangaï. Et le but, j'étais dans la chambre, j'étais en train de pleurer. Donc la famille m'a servi. Toute la famille maternelle souffre de cette maladie d'asthme. Tout le monde presque est asthmatique. Et lorsque tu arrives là, tu vas trouver tout le monde qui est déformé à cause de la respiration. Donc, il marche toujours. Les épaules, mais aussi comme ça. Donc, ils sont déformés à cause de l'asthme. La cantine, la chambre, pour toi, on a besoin de payer vos salamans. N'a pas bouti dans les lits. Quand on est là, on a l'air pour toi, on a l'air pour toi, on a l'air pour monter. La MC. Lorsque j'ai vu ces babouches blanches qui étaient dévoilées pendant que j'étais courbé, j'ai commencé à relever ma tête petit à petit pour voir qui était devant moi. Et quand j'ai commencé à regarder, c'était un homme habillé en blanc. Et sa lumière resplendissait à tel point que tu ne pouvais pas fixer deux fois. Et quand j'ai continué à regarder la personne qui était toute élancée, j'ai fixé le regard sur son visage et c'était le pasteur Walesa. Déposer à mon table. À Zouir, et là, comment vous pouvez aller à l'église? N'a pas de couleur de télé.
bana reprimer ma case ayebi sina na zola kisayo ndenge basala ka test ya diamant. Il m'a dit, papa, les samadis, je vais te montrer comment on fait les tests des diamants. Il me dit, allons-y, je vais te montrer là où on creuse les diamants. Et nous le sommes dirigés là-bas. Lui était devant, moi derrière, avec mes amis qu'on m'avait donné. Et papa Alessa m'a demandé de fixer les regards sur les pierres précieuses qui étaient là en train de briller. J'ai fixé les regards et papa Alessa m'a dit comme tu as vu, alors à côté maintenant on va causer avec toi. Je suis sorti de mon sommeil. J'ai dit, Seigneur, tu m'as mis devant une équation. J'ai dit, Seigneur, si c'était ça la prière que j'avais faite, là tu m'as compliqué davantage. Parce que parmi les pasteurs de ce pays, c'est lui le pasteur que je ne peux même pas accepter. J'ai dit, je dois partager avec d'autres pasteurs qui puissent m'organiser. Après avoir consulté notre pasteur, notre soeur de l'église, ils m'ont dit, avocat pour ton affaire, il n'y a personne d'autre qui peut trouver la solution. Il y a que le pasteur Wallace lui-même que tu as mis dans ta vision qui peut apporter la solution. Wallace a l'agité, j'étais obligé à Kokoma, la centre relevé spirituel. Il n'y avait pas d'autre moyen à faire, j'étais obligé d'entrer ici au centre de relevé spirituel. À combien la veille, le temps, m'a organisé 3 jours la patrie. Le temps papa de la Kigomba. J'étais venu ici à la veille pour mon papa avait organisé les jours, la semaine de prière quand papa était retourné de la montagne. Premier jour, papa était ici la femme courbée. Et au moment la tête en dame la vie. Après, je suis retourné à la maison. La lotique est allée à la famille Nabiso, y compris Naï. Je fais un songe selon lequel je vois dans notre famille nous étions là. J'ai vu la bouteille de l'oxygène qui est un fer, mais cela a s'est explosé. Et quand j'ai regardé, papa Wallace s'est sorti de cette bouteille d'oxygène. J'ai dit, le Seigneur m'a délivré de ces liens de famille. Depuis ce jour-là, ma respiration est devenue normale. L'humiliation a quitté ma vie. Je pouvais faire le test moi-même chaque soir. Je fais l'expérimentement de boire beaucoup d'eau le soir avant de m'endormir pour voir du moins si je vais faire encore pipi au lit. Mais curieusement, je vais me réveiller le matin, je suis bien, je vais faire pipi seulement après et je me réveille à bonne conscience, je n'ai plus ces humiliations-là sur moi. Tu m'as fait grâce toujours pendant cette prière là-bas, le dernier jour de la prière de la clôture. Papa Dimitri Banda. Papa était sorti. Alors, il avait dit qu'on ne puisse lever les mains. On avait levé les mains. Papa avait déclaré que fixer bien au ciel, vous allez voir quelque chose va se passer. J'ai fermé les yeux, je me suis concentré. Quand j'ai regardé, j'ai vu un cheval tout blanc. Avec beaucoup de poils de la tête jusqu'à la queue. Il
Les chevaux étaient sillonnés, en train de nager sur les têtes des gens qui étaient dehors. À côté de ces chevaux, il y avait des ailes qui avaient des couleurs bleues qui naviguaient aussi de part et d'autre. Je me suis dit, je vais devenir folle ou quoi? Je sursaute un peu, j'étais assise. Je me suis dit, je ne vais plus me concentrer dans cette prière. Lorsque cet événement est passé, j'ai demandé à l'autre qui est à mes côtés. Oh, si tu as vu le chemin blanc, pensons ces hommes à l'objet à la qui Jésus-Christ est de Nazareth. Comme ça, mais la conscience est bien le plus connu que ça, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Merci, ma prière, voilà. Après cette prière-là, j'ai fait un rêve, j'ai vu une autre. Maman Kouloutou, j'ai vu notre tante maternelle qui était couchée par terre, toute fatiguée, mais elle a dit, je lui ai dit, mon grand frère, tu ne vas pas mourir parce que ce sont des choses que j'ai vues pendant le sommeil. Elle est déjà anéantie. Maman Kouloutou, elle va confesser à Bobby. C'est mis à mon âme, maman n'aille à l'eau la tango. Après, il y a vos hommes. Au monde, cette fille, cette dame maternelle a empêché sa naissance pour qu'elle ne soit pas facile. On pensait qu'elle avait fait ça selon la divinité, pourtant c'était dans sa sorcellerie et faisait pour que ce soit facile. Il y a une cérémonie qui s'est faite après la naissance de cette maman. Maman, l'obise est le premier terme, maintenant qu'elle est dans le monde, elle est bosse. Maman a dit que je suis au terme de la grossesse, je dois me diriger au champ pour arracher l'épi des arachides. Cela va me permettre d'aller mettre au monde facilement. Maman, lorsque la maman est arrivée au champ, elle a été mordue par un serpent et directement il y a eu douleur d'enfantement. C'était une chose étonnante et inédite au village. Donc maman devait marcher vers 7 km au loin. Donc d'un côté, des douleurs d'enfantement, de l'autre côté, parce qu'on avait décidé que cet enfant ne va pas naître et les médecins mais par la grâce de Dieu, comme j'étais destiné. Finalement, j'étais né vivante et ma maman donc, et c'est là que ma souffrance a commencé. Ça va bien. Elle était née avec des liens. Donc, on est maman Kouloutouana, à l'hôpital, ça a dit ça qui maman a dit pour avoir un peu de temps. Moi, il a fallu à Zala, à soi qui est à Zala, à confessé pour dire qu'elle avait aidé la maman de cette soeur ici à sa naissance. Et comme elle avait porté l'enfant, on croyait qu'elle l'aidait. Pourtant, elle avait mis sa vénère. Les serpents avaient injecté les vénères alors qu'on avait pris l'enfant. C'est comme ça que cet enfant était né avec la malédiction jusqu'à 41 ans maintenant. Mais le roi de Jésus-Christ est vivant. Et comme Jésus-Christ au Nazan n'a pas la dernière minute, la minute Yasuka, allez au moins dans ça. La femme ici a vu Dieu. Parole de Yasuka au Nazan. Le dernier mot que tu as. Parole à Souka et Sagé, la Joseph, la Bonim, ici. Les dernières paroles. Jésus-Christ. Les dernières paroles, j'ai parlé de son nom. Je n'avais pas de volonté. Papa, ce n'était pas ma volonté.
Même ta fille depuis Brazzaville va suivre et même le mari là que tu as pas les gens sur le finga m'envoyer dans le bateau pour y avoir tous les hommes que tu avais refusé, tu avais insulté, ils vont savoir que tu les refusais parce que tu avais une vérité. Cette femme qui t'avait dit que moi je suis commissionnaire des féticheurs, elle va se répartir. Regarde aujourd'hui, tu es à genoux devant les gens et tu es devant la foule en train de demander pardon. C'est une chose. Puisse mon Dieu t'accorder. Puisse mon Dieu te laver. Puisse mon Dieu t'accorder le mariage. Puisse mon Dieu restaurer ma foule. Et tu récupères toutes les années. Et la main de Dieu te touche. Et tu sois totalement délivré. J'ai des rêves de nouveaux amis. Et j'enlève les habits noirs. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'enlève ces habits noirs. J'ai dérivé des habits blancs. Voilà, j'ai dérivé des habits blancs. J'ai dérivé des habits blancs. J'ai dérivé des habits blancs. Tu es en train de t'habiller des habits blancs. Regarde comment Jésus-Christ t'a dérivé des habits blancs. Et tous les liens qui étaient sur ton corps vont te quitter. Tous les esprits démoniaques vont te quitter. Le sang de Jésus-Christ te lave de la tête aux pieds maintenant. Maquillage Jésus-Christ, les lave de la tête, si la macole la jusqu'au pied maintenant, et la soli, et que cette habitimisation, te quitte sur les corps, je te donne le diamant, je te présente le mur qui est plein de diamants. Tu seras béni, et tu es déjà béni, tous les ans. Nous avons Dieu. Nous avons Dieu. Très bonne conscience. Nous avons tous les amis. Tu m'as dit que tu m'as donné une compagne avec le feu pour guérir le monde entier.
Zambe, merci. Seigneur, merci. Pour notre vie. Les gens sont en train de marcher pleurant. Et lorsque je te vois faire de telles choses, je te dis merci Seigneur. Seigneur, garde ton serviteur. Garde ton serviteur, Seigneur. Assiste ton œuvre, Seigneur. Que les gens soient sauvés de partout dans le monde. Grâce à lui se manifeste. Que ta grâce se manifeste. Je te trahirai pas même un seul jour. Je verrai l'œuvre de Dieu jusqu'à la fin. Parce que tu m'avais dit. Est-ce que quand vous me trahir, quand vous donnez ça, est-ce que tu vas me trahir? Je t'avais dit que je t'ai trahi déjà. Voici ton œuvre, Seigneur. Je suis en train de l'accomplir. Je prêche la bonne nouvelle. Pour dire au monde entier que tu es vivant. Tu es vivant. Et puis tu m'as dit, donc c'est lui qui croira que je suis vivant. Qui vient avec vous allez pas mal. Ma paix sera avec lui. Si ta paix sera sur toutes les villes. J'ai prié pour tous ces gens que tu m'as donné. Tout le monde qui est ici. Tout le monde qui me suit. Seigneur, je les abandonne entre tes mains. Oh, tout celui qui a des problèmes. Quoi, c'est la maladie qui a. Tout celui qui a une maladie qui a. Oui, tout celui qui pleure au-dedans de son cœur. Seigneur, essuie ses larmes. Je sais que je suis ton serviteur. Ma main est en train d'agir maintenant. Les âmes de Dieu en train de sillonner. Tout celui qui pleure et qui passe. Et votre Dieu le bénisse. Tout celui qui était malade et incurable. Que Dieu puisse le bénir. Que tous ces démons, tous ces esprits d'envoûtement, tous ces esprits d'humiliation sont en train de quitter au nom de Jésus. Son nom de Jésus. Présence là, la présence de Dieu. Fasse quelque chose maintenant. Parce que tu es au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Tu agis, Seigneur. Il agit.
Et ça, c'est un peu de temps. Je ne sais pas si je suis un peu de temps. 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 Claude Kabundo Alessa. Je suis un peu de temps. Hésitation. Je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Mais quand je suis un peu de pour que je fasse ce que je veux faire, je vais faire ce que je veux faire. Après, je vais faire ce que je veux faire. Je vais faire ce que je veux faire. Merci.